Analyse que moi fais sur mon yo, moi fais sur notoriété yo, moi fais sur passé yo, moi fais sur capacité yo, moi fais sur expérience yo, et moi fais tout sur un degré moins, gagne un ou deux moins, mettez qui pas qui comme yo, m'explique nos raisons. Ok. Et puis devant, je vais choisir 10 Spider-Man, je vais venir à 10. Et jeudi, je vais venir à 5. Vendredi, je vais venir à 3. Et depuis nos cité. Et il y a des parlementaires, il y a des ministres, il y a des premier ministre, gagne été administrateur dans l'État, directeur général, gagne été qui pas aucun rapport du tout, qui pas jamais travaillé avec Haïti du tout, mais qui a d'expérience dans le domaine. Et mais gagne tout puisque nous avons une réalité politique et qui est pour tout à sous base puisque blanc on l'a joué, donc on va pas négliger. Et excusez-moi. Moi, c'est moi qui fais un nom de je vais ajouter. Ok. Et Nalis Gazette avec les deux. Et il y a la donne. Daniel Suplice. Daniel Suplice, je me dis déjà, c'est ancien ministre diaspora. Le Martelly est pratiquement humilié. Le Martelly était au lieu que le ministre des Affaires étrangères. C'est ça, c'était souhaité. Martelly était la gueule en Mav. Il nous a dit que monsieur t'a dit que. Il t'a pas dit, Matéli, le pas de fréquentable. Il t'a avoir. Jodi, a. Quand tu es faible. Un grand intellectuel. Et, belle plume. Historien. Il a de bon commerce. Il veut diriger la primature. Gagné Joseph Joisil. Joseph Joisil, c'est un ancien parlementaire. Rudolf Joisil. C'est un ancien parlementaire. Un ancien président de l'Assemblée nationale. C'est un ancien haut gradé de l'armée. Et c'est un ancien ministre de la Défense aussi. Ok? Et avec de bon commerce. Et avec dans un nord-est, mon quoi? Nord-est. On va y penser. Eh bien, Joisil, tout le monde. Et il veut être premier ministre aussi. Il n'est même pas dit de mon mieux net, je dis, hein, puisque ce n'est pas je dis, il m'a fait un dernier barrel. Et je parlais de Jean-Hector Anacassis. Il faut que moi dise non. Anacassis, on a laissé je ne sais pas qu'on est exactement s'il est inscrit ou pas vraiment, même qu'on est que le terrain pour être inscrit. Donc Anacassis aussi, comme nous connaissons, ancien parlementaire, ancien militant marxiste-léniniste de gauche, ancien sénateur de la République, et son dégré, qui suppose sénateur en place, il est le sénateur. Et là, ça a 30 ans. Et là, ça m'a fait l'élection René Préval. René Préval, il n'était pas de me simuler candidat, il m'a dit non.
Ça qui était récent, j'étais débarrassé de GNB. Yo. Et puis, Timoun. Et puis, je pas candidat. Et puis, yo, j'ai cherché Anakassis. D'ailleurs, un, vraiment, dans la période, ça, je pouvais imposer ma candidature si je voulais. Parce que Préval ne respire pas de respirer sans moi. C'est moi qui m'intègre sous dôme pour elle. À travers la valasse là. Et puis, je cherche, il y a le premier monsieur passé. Ok? Et si c'est moi qui t'ai passé, je fait plus voir que Préval dans la période là, dans l'Ouest. Même j'aurais Steven Benoît te fait là. Donc, Anakassis, il n'a pas parlé dans la presse qui est très blagueur, mais son manœuvrier politique. Donc, il y a une zone politique qui a fait manœuvre. C'est son gangan. Il a toujours parlé de activité gangan. Nous gagnons. Docteur Carole Bérot Joseph. Baleine de lui déjà, dame ça, c'est mon professeur à l'université aux États-Unis. C'est une dame âgée de 72 ans qui enseigne à l'université, qui a dirigé soit un community college ou un city college dans Miami. Et c'est une femme compétente. Elle me dit, bon, compétente aux États-Unis, mais on sait pour Haïti. Mais qui a un background enragé, qui travaille avec un paquet d'université en Haïti. Toute corps université privée, elle travaille avec lui. Même université l'État. Il est parti à 5 ans, quitter le pays. Et bien, je n'ai pas 72 ans. Donc, si on n'a pas l'école, on va dire, c'est, regardez. Parce qu'elle est toujours en Haïti, elle compte en permanence en Haïti. Donc, elle veut être première ministre. Qu'est-ce qui est d'elle? Je ne sais pas. Gondek là qui fait un autre du tête. Li. Alors, je ne parle pas photo. Encore, c'est Willer Valsin. Son ancien cadre du ministère de la planification. Mais j'aime bien dire nous là, avec de bon commerce, sérieux, compétent. Si il y a trois mouns qui ont l'État en Haïti, monsieur Lanay. Si il y a trois mouns qui ont l'État en Haïti, où il est Valsin, c'est eux. Ok? Il était directeur général du ministère de la planification sous René Préval. C'est un ancien de CTPA, c'est un homme brillant. Et monsieur capable de déplacer puis dans l'État, monsieur capable de faire bagaille. Même par contre, l'autre trop bagaille, à tes background, par contre, on est trop. Même quand elle était dans l'État, et monsieur, t'es donné une bonne note. Et nous gagnons Fritz Bélizer. Fritz Bélizer, c'est le poulain, l'ancien poulain de Moïse, mais le poulain de Moïse. Elle me dit ancien parce que Moïse, ça le fait un mauvais coup. Et Moïse, ça le tenté tout. En t'il n'a gorgette, conseil là. Même jour, il te mette à Gadi Leblanc. Je voulais que je me dénonce. Parce que je n'ai pas respecté les normes. Eh bien, et Fritz Bélizer, le fait que tu es candidat, déjà, le fait que il était sous table, il était poté par un bloc qui était au moins 4 moun la donne. Et je dis, je ne suis pas capable de retirer Edgar Leblanc. Mais Simon, il est toujours supporté, donc il est toujours été un candidat important au-delà de sa personnalité. Donc c'est un ancien ministre de la justice au sport. Et nous avons rencontré M. René Préval. Il était un proche du secteur populaire, de René Mon Plaisir. Et un bon monde, un bon vieux haïtien. Et est-ce qu'il est capable de diriger la primature? Je ne sais pas. Et nous gagnons Lucman Delisle. Lucman Delisle, c'est un ancien ministre de la justice qui parlait très fort. Ok? Qui parlait très fort. Et qui montait que le gain graine. Et Front de commerce, c'est une bataille que il était mené contre bandits. Bon, même si M. Patou est un bandit. Mais il était tenté. Il était annoncé son ultimatum 72 heures de temps pour quitter en bas la ville. Ça a été fait. Mais le gouvernement était bloqué. Il était craint pour des carnages dans la période de ça. Parce que là, ça, la population était toujours chargée avec Moun.
gouvernement pas d'accord. Et monsieur toujours reproché. Monsieur toujours dit c'est lui-même qui était barré en bas pour te neutraliser bandi. Et mais le gouvernement, il dit c'est joute qui t'a empêché, qui t'a écrasé baïza. Mais pas ça rien limite tout. Barré en bas avec séparateur et pas solution. Il y a bon petit palliatif. Vous comprenez? Parce que fait bandi avec dans base li. C'est une main. Il va te permettre qu'il ait un problème. Nan. Mais il t'a apporté une amélioration momentanément. Il faut le reconnaître. Et comme de fait, il a commencé à faire ça, il était protégé au minimum. Parce qu'il n'y a pas de monter Pétionville, il prend mon encore. Mais il était toujours bloqué en bas, plié machine, prend faire moun, etc. etc. Luc Mandelil, un journal qui paraît très autoritaire. C'est, pour moi, je suis un homme de droite. Donc, monsieur candidat, il veut diriger la primature. Est-ce qu'il peut? Je ne sais pas. Nous gagnons Gary Conny, nous présenté déjà ici, nous connaissons déjà. C'est un qui fait toute carrière net au niveau international, dans l'ONU. Qui était expert avec Martinique comme nous connaît pendant quelques mois. J'étais tenté mais enquête sur ensemble de questions notamment je devais pour vérifier nationalité toute et parlementaire et ministre et ça a été concerné Martinique tout puisque j'étais en débat sur Martinique sur question nationalité. Et monsieur t'a laissé mener une enquête sur ce que sont Petro Caribe, la gente dépensé dans cette période de mortalité avec Belle Rive. Et m'a dit couillac monsieur, t'as qu'un cadavre. Et après ils m'ont retenu que monsieur était fait résistance à Martelly et monsieur était tenté mener une lutte contre corruption. Et, oui, c'est ça le songe. Et Gary Conny, monsieur actuellement monsieur c'est responsable régional pour toute Amérique latine centrale. Pour UNICEF. C'est le premier Caraïbéen, le premier Haïtien qui occupe fonction ça dans l'ONU. Ok? Monsieur Vlé, lui-même tout, dirigé. Espérance que le TFA qui va continuer, il voulait reprendre. Gagné Gérald Germain, c'est un ancien ministre du commerce. Et des affaires sociales. C'est travail. Je me présente monsieur déjà, monsieur travaille dans plusieurs. Monsieur, c'est conseiller en dans banque centrale, sur question monétaire. Je suis professeur à l'université. Et homme de bon commerce. Très compétent. Il veut être aussi premier ministre. Paul-Antoine Bien-Aimé. Ancien ministre de René Préval, même avec Germain, et très compétent, professeur à l'université aussi. Et il ne traîne pas de casserole, il va avec casserole d'Edol. Monsieur, entre gens, monsieur, qu'on pas qu'être monné bien dans le secteur. Donc, eh bien, monsieur, t'as souhaité venir pour le ministre, tout. Gagné Didier Fizébé. Sur mes là. Fais moi sur mes là. Didier Fizébé. Et moi c'est non 14. Didier Fizébé. C'est il va 11 manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va faire 11. Il va faire 12 devant mon 11. Du défi Zemé. Il va faire 12. Du défi Zemé, c'est le représentant du secteur privé. Ok? Il nous a rendu visite hier. Ok? Donc. Et il représente le secteur privé des affaires. Comme on était déjà qui divisé ce choix.
mais il dit que c'est majorité toute association patronale qui d'elle. Il y a de monde qui pas avec elle, de personnalité pas avec elle. Et monsieur démenti Paul qui dit que j'ai été choisi d'ailleurs été mal choisi. C'est pas aucun monde qui est capable de prouver que tu as un compte mal taille qui est fait pour que c'est lui-même qui pouvait être choisi. Eh bien, monsieur qui s'est petit, Alex Fizeme, ancien guerrier, qui fait Nicaragua, gros militant politique, qui va mourir, qui va le député, Kenskoff, et c'est petit, monsieur. Eh bien, monsieur était candidat au Sénat, tout, ensemble avec Kato, et Kato te bat, monsieur. Et Kato te gagne. Monsieur gagne blanchisserie du soleil. Il y a un autre point. Je ne sais pas si tu as monsieur, il y a un autre point. Hier. Son bon blanchisserie. Et on a un dry cleaning na, en anglais. Et livré pour le ministre. Ok? Et nous gagnons 13e ou non. Gagnons. Au lycée Pierre Riche, puis j'étais ministre diaspora, mon coin. Pour que ça me cite, monsieur, bien monsieur, t'es dans démarche de la Cour de cassation. Ok? C'est une démarche de la Cour de cassation. Et monsieur, t'es en face conseil, là. Ce n'est qu'il t'est tout à bombardé. Ça fait conseil, ça, il pas la donne, bah, ça, yo. Eh bien, et un ensemble d'organisations qui t'a goûté pour cassation, eh bien, yo ba evag, eh bien, yo inscrit Pierre Riche, au lycée Pierre Riche, yo inscrit monsieur, malheureusement, pas une photo, li, hein? Yo inscrit monsieur, dans conseil. J'arrive à chercher une photo Pierre Riche, m'a voté jeune. Je vais vous dire une photo, monsieur, mais demain, si je viens de me présenter. Eh bien, le fait que qu'on revirement comme ça fait de cassation, et puis, et vous quittez la cassation tombée, avec tout argument que vous avez gagné, et bien, à l'inscrit, dans le conseil, là, vous avez une première ministre avec conseil, ça, que vous avez contesté, et bien, ça m'intéresse. Comme analyste, comme journaliste, pour me comprendre, mesdames et messieurs, quel est le sens de cette démarche. Donc, si quel monde que je ne peux pas citer, moi cité 13 monde. Marie-Denise Claude. Marie-Denise Claude, moi qui ai oublié Marie-Denise Claude. Avec 14. Marie-Denise Claude, c'est une ancienne ministre. C'est un petit Sylvio Claude. Nous avons passé en pile mise dans le pays, combattant pile la dictature. Et son femme solide. Qui était ministre, et bien formé, très gentil. Est-ce qu'elle peut dire j'ai la primature dans ce contexte? Je ne sais pas. C'est même question posée pour ni tout. Est-ce que moun sa 14 moun comme cité là, beaucoup 15 ans, n'a avoué le pour moi, c'est une 15e. Sinon, n'a quitté là. Eh bien, ça, c'est pas même moun que moi-même, moi, dans 200. Je fais effort, je prends 14. Je prends 14. Et Kounia, demain, si Dieu veut, je vais retirer 4. Pardon. Ok? Demain, je vais retirer 4. Après, 10. Jeudi, je vais retirer 5. Après, 5. Et vendredi, m'a retiré 3. Et qui dit nous, m'a dit ouais, carré 3, qui est la pied. Pas madame contre Josiane. Carré 3 m'a dit qui est la pied. OK? Par contre, Smith Manito. Faut nous faire mettre Smith Man. Nous va quitter monsieur. Je fais pile bruit. Non monsieur, non sur la rue. J'ai voué bagaille sur Facebook, j'ai voué bagaille sur. J'ai battu col. C'est une équipe dans la diaspora
qui d'elle Astrel qui a pris toute journée là. Astrel dit mesdames, il faut interview avec monsieur, mais faut m'avouer, faut m'avouer question. Dit Astrel, tu as pris ma ville. Qu'est-ce qu'elle a dit vos questions? Non, bah c'est la forme d'avoir liste question. On est candidat à une premier ministre, on a fait liste question bah où? Hein? En tout cas, monsieur fait bruit tout. Donc nous une question. Et ce nouveau là, on met une question. Donc nous avons 15 moun là et que nous retirons dans 3 dans 200. Donc toute fois que nous pas cité, c'est parce que sur base critère pas nous, nous pensons que ça ne valait pas la peine mesdames et messieurs. Et comment dit-nous 15 moun ça, ça pas veut dire que tout capable premier ministre. Ça veut dire tout répondre à ça qui là comme problème dans le pays. Son grand monde parmi moun ça qui pas diriger la primature. Mesdames et messieurs, et qui est lié? Eh bien, nous va prendre trop de temps pour nous connaître. Qui te me dit nous? Et tractation yo en pile. En pile.